Salut vlog, donc aujourd'hui on est à Granby chez ATP, on vient rencontrer Vincent Comtois qui est un expert dans le domaine de la nutrition, de la supplémentation. On va faire le tour de l'usine et aussi on va tourner un podcast avec lui, donc on s'en va là. On sait qui a reçu le produit quand. Et selon on rappelle, on sait que on a maillé 154 là-bas de façon alimentaire, c'est tout en resté 32, en bonne moyenne. C'est 24 en traçabilité. Si on vend quand même dans 53 pays. Si jamais on a un recall, on dit de quoi, là, faut que tu fasses ça à nickel. Là, c'est tout informatisé. On a implanté ça à partir de janvier cette année. On peut pas aller en dedans parce qu'il faut tout se souper. Ok, on voit un sou. Des contaminations, on fait qu'on rentre ici. Des fois, on peut aller jusqu'à la ligne d'eau. On part dans les jambes, tu vois ça. Il y a un saut. Fait qu'on met des sauts comme ça. Si on fait de l'asthmatic control, c'est tellement puissant que ça les brûle la face. Ils sont obligés de mettre un. Tu as dit, là, tu mets un bout de poignet de main, puis c'est pas couvert, ça brûle la peau. La HL, c'est très puissant. Fait que pour certains produits, mettre des masques qu'on fait comme ça ici, parce que c'est respirer les vapeurs, ça peut être nocif. Fait que c'est sur le chapeau, gants, tout le kit. Fait que là, on passe sur l'autre côté. Là, on le voit ici un pendant, c'est un gros flambeur qui brasse 250 kg de la charge. Là. Ok. Donc, ça, c'est un. Sur tous les produits, que ce soit. C'est surtout les grosses bâches. Les affaires qui sont plus en petite quantité. Mettons qu'on brasse la multivitamine, il faut avoir des précisions. On a un petit flambeur aussi. Ok. Fait que lui, il tourne plus vite. Fait que le mélange est un peu plus homogène. Quand tu es dans un gros blender de même, c'est sûr que si on mélange juste du saveur avec une poudre et tout ça, ça se mélange bien. Fait que nous autres, notre système, on s'est organisé pareil comme une fois que la porte est ici, elle est barrée. Si tu ouvres cette porte-là, tu peux ouvrir l'autre, il n'y a pas de contact d'air direct. En fait, les sens, ça, ici, c'est une question qui est une chambre de stabilité. On garde tout pour produit pendant 2 ans. Fait que chaque match qu'on fait, on garde une bouteille, c'est bien remplie, c'est bien stabilité, à température contrôlée. Ben, si jamais, mettons, tu as un produit chez vous, si tu me sens, la platine, tu fais un œil gelé, elle change de couleur, elle change de goût. Je suis pas sûr. Là, tu me renvoies ça, puis je teste mon échantillon, puis après ça, je suis capable de dire que ben, ça peut être des conditions. Tu sais, si tu regardes le support du fenêtre, au soleil, ou c'est le produit qui se dégrade trop vite dans le vent, tu regardes de voir la stabilité. Le soleil fait 20,6 Celsius sur 19,9. On garde tout autour de 20 degrés. Puis tu as la pression qui est négative, ça veut dire que toute la poussière reste au sol. Fait que dès que tu rouvres une porte, il y a une pression d'air qui fait en sorte que la poussière ne peut pas lever pour aller contaminer les affaires, bien sûr. Donc, on a un système de filtration d'air, la qualité de la filtration d'air, ça n'a pas de mettre dans un tout, une salle de chirurgie, ça, qui rouvre. C'est une aide, ma guerre, c'est d'avoir une constance au niveau de la fabrication, s'assurer qu'à chaque fois qu'on une bâche. Notre rentabilité est la même, parce qu'on sait quand on fait tel produit, il y a sorti, mettons, 6 pour minute, puis l'autre, c'est 20 pour minute, puis on est capable, de, quand c'est pas automatisé, mais tout le temps des variantes. Ouais, il me rentre un vendredi matin, puis il a sorti tard le soir, mais il est moins vite. Fait que là, nous autres, on chine, là, tu vois, la table, là, présentement, là, t'as même on transforme les jeux, mais il faut pas que personne, tu sais, il est autorisé pour partir des étiquettes, pour mettre ça sur les roues, dans le voleur. Il y a énormément de normes à respecter. Et aussi pour l'identification, c'est-à-dire que si tu as 20 mg de magnésium, tu peux mettre 20 mg de magnésium maintenant. C'est testé par des labs. C'est tous des labs extérieurs. En fait. On a toujours un third party qui regarde nos affaires. C'est pas nous autres qui testent nos affaires et qu'on faisait n'importe quoi. Fait que de cette façon-là, quand on reçoit la libération, ben c'est eux autres qui s'engagent à dire ben, regarde, on vient de chercher le stock ici, on met ça dans le shipping. Mais il faut que ça soit ce côté-là, que ça soit libéré. Ben, c'est un peu ça le défi. C'est au nombre de produits qu'on offre, au nombre d'ingrédients qu'il y a par produit, la gestion des inventaires, c'est quelque chose. Hein. Parce que des produits qu'on est obligé d'acheter 25 kg pour en avoir, et on en met 800 microgrammes par capsule. Ouais, c'est fait que là, ce produit-là dure 2 ans, mais sauf qu'on a un autre produit qu'on a juste à 25 kg de la charte, sauf qu'on en met 200 grammes. T'sais, fait que là, toutes les variations d'inventaire, c'est de la gestion. Le produit, c'est que c'est pas deux produits de dedans. C'est ça. L'énergie. Après, c'est ça, il y a 9 ingrédients différents. T'sais, fait que c'est ça. Mais c'est le mot de l'affaire. On ne fait pas juste protéines, vitamines.